السلام عليكم الزلفلاون بونجور. Un personnage de mon enfance, captivant et chaleureux, qui n'existe plus de nos jours, malheureusement, se réveille parfois dans ma mémoire. À chaque fois que l'idée de la perte, quelle qu'elle soit, me traverse l'esprit. La perte, chaque fois qu'elle me traverse l'esprit, ce personnage me visite. C'est le crieur public de mon enfance. Enfant, à chaque fois que je le voyais dans mon quartier, je savais qu'il était venu nous annoncer qu'une famille avait perdu un être cher, égaré un animal domestique ou perdu un quelconque objet. C'est comme ça qu'à l'époque, on nous apprenait ces nouvelles. Vêtu à la façon traditionnelle d'un pantalon à 40 plis, qu'on appelait serouel arabe, d'une chéchia rouge et d'un burnous en laine écrue, il était très vif et se déplaçait très rapidement. Il s'arrêtait à chaque coin de rue, il mettait la main en porte-voix comme ça et lançait sa fameuse salutation avant de nous apprendre qui avait perdu qui avait perdu quoi. هاي سمعكم على خير والهنا يا ناس الخير والقمنا. C'était comme ça qu'il nous haranguait. Ce crieur public était une relique du passé. Il s'était attardé dans une époque où il n'avait déjà plus sa place. Il était le dernier de sa corporation. Nous sentions confusément que nous assistions à un spectacle rare. Nous ne savions pas que le temps qui s'était emballé et qui galopait à bride abattue allait emporter dans son sillage tous les merveilleux personnages qui peuplaient notre enfance. Boussadia, Babasselm, comme disent les Algérois, le souk des dates, Souktmar, les dames qui barataient le petit lait dans ses outres en peau de chèvre, le forgeron, son enclume et son soufflet, le laitier, qui nous ramenait le bon lait de sa ferme jusqu'à nos portes. Je me rappelle aussi de ces conducteurs de ces très belles calèches bariolées qui sillonnaient ma petite ville, ou de ces gitanes, de vraies gitanes, qui venaient étaler les tissus chamarrés sous les yeux éblouis de nos mamans. Des gouelines, accompagnées de leur rebab, ces bardes venus du sud qui nous chantaient les épopées de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tant de personnages pittoresques qui enchantaient le jardin de la vie qui était notre belle enfance. Mais de tous ces personnages magiques, c'est le crieur public qui s'impose le plus à mon esprit ces derniers temps. Je suis comme en attente de son arrivée pour nous crier sa fameuse « Aïe, s'ma'koum ala khair ou l'hna » « Ya nas al-khir wal-gamna » Comme si j'attendais de lui qu'il revienne dans notre vie pour nous apprendre qu'un peuple a égaré sa mère patrie, qu'il la cherche et qu'il demande à tous ceux qui l'écoutent de la chercher avec lui. « Ya nas al-khir wal-gamna » Aujourd'hui, liberté. En visite de travail à Tougourt, Slel vante les réalisations de logements en Algérie par Bilal Zehani. TSA. À Hassim Saoud, Slel plaide la cause des investisseurs algériens par Nadia Mellel. Algérie Presse Service. Lancement d'un projet de 2000 logements publics locatifs dans la ville nouvelle de Hassim Saoud. Pour parler de ce problème de logement, de ces promesses mirifiques que fait le régime à chaque fois, et pour parler aussi d'autre chose, de ces promesses qui ne tiennent pas, M. Abdelhamid Boudaoud, président du Collège national des experts architectes à Alger, et M. Larbi Zouaimia, analyste politique, qui est avec nous en Skype aujourd'hui depuis les États-Unis d'Amérique. Si Abdelhamid Boudaoud, merci d'avoir encore une fois accepté notre invitation. À moi de vous remercier, monsieur. Merci. Alors voilà, Slel, qui est en déplacement au sud, affirme que l'Algérie est le premier
est le seul pays au monde à réaliser autant de logements. Est-ce vrai? Non, moi je dirais, certes, c'est l'État. L'État n'a pas les idées. C'est, disons, le petit État, c'est les collectivités locales et la base qui a les idées. Si vous me permettez, je vous donne des chiffres. Depuis 1966 à 2014, je vous en 1966, prie. On avait 1 979 888 logements. Un taux d'occupation de logements, 5,9, avec une population 11 800 000. En 1977, on avait 2 349 515 logements avec un taux d'occupation de logements 7,2 avec une population qui avoisinait 17 millions. En 1987, on avait 3 203 543 logements. On avait un taux de 9,8, 23 millions de la population. En 1998, on avait 4 068 997 logements, un taux de 7,2 avec une population de 29 millions. En 2008, on avait 5 726 441, un taux de 6,1 avec une population de 34 400 000. En 2014, on a 7 500 000 logements avec un taux de 5,2. Je m'explique. Certes, on a réalisé, mais on a réalisé avec anarchie. Si on avait notre stratégie, le Collège national des architectes, on a posé une stratégie. On avait dit qu'on a 1541 communes, chaque commune doit recenser son patrimoine immobilier et de le classer s'il est à réhabiliter ou à rénover ou à conforter ou bien à démolir. Si on le démolit, on arrive à avoir pratiquement du foncier. Et les besoins, de là, on commence à octroyer aux communes pratiquement des logements et de voir si vraiment, moi je dirais qu'il n'y a pas de crise. Parce que l'ONS, des statistiques, le recensement du mois d'avril 2008 avait donné 1 500 000 logements inoccupés et 1 200 000 bâtisses inachevées et illicites. Monsieur Bendaoud, attendez, Monsieur Bendaoud, l'information que vous nous donnez est de taille, donc je me permets de vous demander des précisions. Vous nous dites 1 500 000 logements inoccupés. Inoccupés, c'est l'ONS, c'est l'Office national des statistiques, qui a le recensement du mois d'avril 2008. Il avait établi. Certes, si on avait, nous on pouvait dire que s'il y avait. Le comble, c'est que on dit qu'on a une banque nationale, disons, d'un fichier national. Si un fichier national, M. Mohamed Sirita Annaba, il a eu un logement, il vient à Alger, qu'il vende ou il loue son logement, mais malheureusement, il est porté sur le fichier national, il ne pourra jamais avoir un logement. Pourquoi on le bloque 5 ans, on dit que 5 ans, il ne peut pas le vendre. Ça, c'est un point. Oui. Maintenant, la nouvelle. La stratégie vise à augmenter les capacités nationales de réalisation à 120 000 unités en. Si on arrive à 120 000 unités en, vous voudrez dire 10 000 logements mois, veut dire 2 500 logements semaine, sachant pertinemment que chaque logement utilise 17 à 20 tonnes, on a par an, on a 2 400 000 tonnes de ciment en et 200 000 tonnes mois. Et c'est 50 000 tonnes ciment semaine. Veut dire que par semaine, on devrait avoir 2 500 camions de ciment de 18 tonnes par semaine. On ne pourrait pas l'avoir. Et autre que cela, on a le personnel n'est pas préparé pour pouvoir honorer les situations des travaux des entreprises. Monsieur Boudaoud, nous allons passer une courte vidéo de Sellel. Où il nous dit des chiffres. Il nous dit les logements qu'il réalise selon lui. Vite vidéo, s'il vous plaît. حنا أول دولة في العالم اللي تنتج عدد السكنات الاجتماعية بهذا الحجم. على بالك شحال انتجنا من سكن في 2014 خلال سنة 325,000 سكن. هذه إنجازة. هذا برنامج نتاع عدة دول كله سكن لفائدة المواطنات والمواطنين في نفس السنة الجزائر انطلقت ب 425 سكن جديد بكل أنماط Monsieur Boudaoud, Monsieur Sellel nous apprend qu'en 2014, d'abord que l'Algérie est le premier pays au monde en termes de réalisation de logements et que nous aurions produit 325 000 logements en 2014.
Nous avons perdu M. Boudaoud. Nous essayons de le retrouver, de le rejoindre de nouveau. M. Zouaimi Al-Arbi, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. On vous voit très bien. Une belle image, Skype. Monsieur Al-Arbi Zouaimi, Monsieur Boudaoud qui était avec nous, c'est un homme du terrain, c'est un homme dont nous ne doutons à aucun moment de ses affirmations, nous dit que, selon lui, il n'y a pas de crise. Il nous apprend, entre autres, qu'il y a à peu près 1 500 000 logements inoccupés, ce qui est complètement fou, hallucinant. Et Monsieur Sellel nous dit qu'en 2014, il aurait réalisé 325 000 logements et qu'il est le premier pays au monde en termes de réalisation de logements. À votre avis? Écoutez, je veux pas me noyer dans les états d'âme de Sellel. C'est un premier ministre incompétent. Il est en train de préparer, de programmer les crises, il me semble. C'est cette manière de communiquer que j'arrive pas. À qui il dit ça? À qui il dit ça? À quelqu'un qui n'a pas de logement, il va lui dire que nous avons. C'est-à-dire, c'est une forme de communication que j'ai jamais trouvée. C'est-à-dire, elle est inexistante. Sauf chez ce monsieur. En tout cas, je ne pense pas qu'il existe 1,5 million de logements inoccupés. Ça, c'est ce qu'on appelle le réservoir spéculatif du gouvernement et ses tentacules. Ça, c'est du domaine de l'impossible qu'il existe des logements inoccupés. Qu'est-ce que vous voulez dire par réservoir spéculatif? Expliquez-nous. Tout simplement, c'est un pouvoir qui a sa ceinture de coron, sa ceinture basilaire, c'est-à-dire au niveau du wilaya et au niveau du sommet. Et ce sont ces gens-là qui sont à créer du logement. Mais 1,5 million. M. Boudaoud nous dit que selon l'Office national des statistiques, il y aurait 1 500 000 logements inoccupés. C'est énorme. C'est inimaginable. C'est incroyable. Ça veut dire que ça ne peut pas être un petit réservoir spéculatif comme vous dites. Non, ce n'est pas. Mais M. Benchenov, ces logements-là, ont-ils des propriétaires? Ils ont des propriétaires. Je ne sais pas si l'Office des statistiques prend des gens qui ont déjà des logements, mais il y a d'autres qui ont 2 à 3 logements. Je pense que ça se constitue comme ça. Mais trouver des logements qui sont inoccupés, qui appartiennent encore à l'État, ça c'est... Il n'a pas dit qu'ils appartiennent à l'État. Il a dit qu'il y a 1 500 000 logements inoccupés, selon l'Office national des statistiques. Mais en l'occurrence, M. Zouaimi, si tel était le cas, puisque ce chiffre n'a pas été démenti par l'État, puisqu'il faut l'appeler comme ça, l'État algérien, est-ce que c'est moral, selon vous, de disposer d'autant de logements et de laisser des gens pourrir dans des bidonvilles, dans des garages, à 10 par chambre, des hommes de 40 ans et des femmes de 40 ans qui sont chez leurs parents à défaut de logement, qui ne peuvent pas se marier. Est-ce que si ce chiffre se confirme, il ne serait pas normal de faire quelque chose pour loger ces gens qui sont dans des bidonvilles, entre autres? Si ces logements-là existent réellement et qu'on ne donne pas à la population, c'est un acte criminel. Il n'y a pas un autre qualificatif. S'il y a des gens qui ont besoin de logements, il y a des logements qui sont disponibles, ça veut dire que c'est un acte vraiment criminel, tout simplement. Mais moi, je voudrais tout simplement vous dire quelque chose, monsieur Benchenov. Lorsque monsieur Bouteflika est venu en 99, 2000, 2001, il avait les moyens d'épurer cette situation. Tout simplement en instaurant ce qu'on appelle les 9 chiffres par famille, de façon à ce que l'État doit connaître le revenu de chaque ménage. Et à partir de cette base-là, on peut exactement évaluer le ménage et ses besoins en matière sociale. Ça, c'est très important. Mais comme il s'agit d'un gouvernement de corrompus, d'un gouvernement de rentiers, ils n'ont jamais procédé à ce processus. Ils n'ont jamais, c'est-à-dire, poussé à ce que l'État ait l'information nécessaire sur les ménages, parce que tout simplement, eux, ils se considèrent des ménages et qu'il est impossible qu'ils dévoilent leurs revenus, tout simplement. Parce que dès le départ, il avait les moyens, ce président avait les moyens de régler cette situation de façon à ce que les communes prennent en charge le côté social et ne pas tomber dans une multiplication d'épithètes avec des formules où la corruption et la spéculation et le benhamis
devient règle. C'est ça le problème. Maintenant, parfois, j'entends le ministre de l'Habitat, il parle du fichier de logement. C'est quoi ce fichier de logement? Il fallait régler le problème une fois pour toutes. Chaque citoyen algérien doit avoir, comme les pays développés, ce qu'on appelle les 9 chiffres. Ces 9 chiffres-là définissent exactement son revenu, sa situation familiale, le nombre des enfants, où l'État a le droit d'être informé. L'État doit être informé. Il a le droit d'être informé sur les ménages de façon à ce qu'il peut gérer cette situation et évacuer toute une autre population aussi qui use de l'informel pour avoir un logement. Restez avec nous, l'Arbi Zouemia. Monsieur Boudaoud, Abdelhamid Boudaoud, donc nous avions été coupés, nous avions passé une vidéo, monsieur Sellel, où il affirme avoir construit pour 2014 325 000 logements. Vous êtes d'accord avec ce chiffre ? 6 millions. Abdelhamid Boudaoud, il y a un souci, il me semble. Avoir construit pour 2014 325 000 logements. Vous êtes d'accord avec ce chiffre? Non, si vous permettez, je retournerai un peu en arrière. Il me semble que le monsieur il n'a pas compris le 1 500 000 logements qui sont inoccupés. C'est le 1 500 000 logements, ils appartiennent aux... Ils appartiennent à des particuliers? Ils appartiennent à des particuliers, effectivement. C'est des particuliers qui ont un surplus de logements. D'accord. Le problème, où est-ce qu'il est? Oui. Mais en l'occurrence, monsieur Boudaoud, l'occurrence, lorsque dans un pays, il existe des centaines de milliers de gens qui ne sont pas logés, est-ce qu'il n'est pas possible de prendre une mesure d'exception ces logements à la disposition des non-logés? C'est pas le gouvernement. Pardon, si vous permettez, c'est pas le gouvernement. C'est les collectivités locales n'ont pas une politique, n'ont pas une stratégie pratiquement de la location, normalement. Je donnerai un exemple. Nous, on a présenté une stratégie. C'est de créer des portes ouvertes et de dire que toute créature humaine qui a un logement en plus, elle a le droit de le louer. On s'est exonéré de toute taxe pour 3 ans. C'est que la personne, elle fait sortir sa tête de l'eau. Après 3 ans, on commence à la taxer sur disons, la location. Sinon, deuxième point, tout logement qui est inoccupé, qui est fermé, on doit le taxer. Taxer la première année avec 30%, la deuxième année 50% et la troisième année 100% et ainsi de suite. Pour cela, le citoyen, il doit avoir, disons, le sens de la citoyenneté et de l'autre. Mais encore faudrait-il, monsieur Boudaoud, encore faudrait-il que non seulement le citoyen ait donc cette éthique de citoyen, mais aussi que l'État soit un État véritable. Je suis en train de dire, voilà ce que je suis en train de dire. Le monsieur, il n'a pas compris le 1 500 000. Le 1 500 000 appartient... Non, il a posé la question de savoir si ça appartient à des particuliers ou à l'État, mais je le laisserai... Non, ils appartiennent aux particuliers, non pas à l'État. L'État D'accord. a octroyé des logements. Et il y a un autre point. Moi, je dirais, en 1984-85, je faisais partie d'une commission qu'on avait... On avait relongé les gens des bidonvilles et on a la liste des bidonvilles. Existait la liste des bidonvilles. Maintenant, on parle d'une autre liste des bidonvilles qui sont en train de reloger. Donc, les gens qui habitaient dans des caves, dans des terrasses, dans des ascenseurs, n'ont pas de logement, on n'a pas les... Nous, on a proposé une stratégie, on a dit, voilà, si on réalise son logement, la commune, 40 logements, elle sera octroyée au cas de bidonville, 40 logements pour les gens qui habitent les terrasses et les caves, et 20 logements, on les met dans un tiroir pour des catastrophes telles que, je donne l'exemple, le 1er août 2014, il y avait un séisme et les gens devaient être relogés, on les a bloqués, on a octroyé les logements. Mais monsieur Boudaoud, monsieur Boudaoud, on n'a pas une politique de logement. Voilà. Monsieur Boudaoud, oui. Vous conviendrez que sans avoir de vrais chiffres, j'imagine que ces 1 500 000 logements inoccupés doivent tous provenir du vivier de logements sociaux. Ça veut dire que ce sont des gens qui se sont fait attribuer des logements sociaux pour ne pas y habiter, pour les tenir en deuxième main, les sous-louer ou les garder pour leurs enfants. Exactement. Et donc en l'occurrence, c'est comme s'ils appartenaient à l'État, puisque l'État a considéré qu'il devait les donner à des gens qui ont déjà un logement au moment où ceux qui n'en ont pas pourrissent dans les bidonvilles.
Non, mais avant il y avait cette tactique-là. Un monsieur qui habitait dans un bidonville à Blida, on lui octroyait un logement et après il le prenait, il le louait ou bien le vendait. Qui manque, il vendait Mftah, il vient à Alger installer un autre bidonville et il sera inscrit sur une liste et ainsi de suite. Il me semble, il me semble qu'il y avait une connivence avec les responsables, en octroyant des logements à des gens qui étaient des nomades qui venaient pratiquement de Annabado, Oran, d'Alger. Celui d'Alger, il va à Oran et celui de... Oui, mais monsieur Ben Daoud... L'État, pardon. Je vous en prie, poursuivez. L'État n'a pas surveillé, n'a pas pratiquement agi le moment voulu. Maintenant, on veut agir, mais c'est pas... de dire à la personne, monsieur, vous ne pouvez pas, il y a un excès de zèle. Oh, s'il est porté sur une fiche nationale, il peut vendre son logement, il peut le louer, il fait ce qu'il veut, parce que c'est... Mais monsieur Boudaoud, excusez-moi de vous interrompre. D'abord, ces gens nomades dont vous parlez, qui vont se faire attribuer des logements ailleurs, des spécialistes du bidonville, ils ne doivent pas être des masses. Nous parlons des centaines de milliers de gens qui pourrissent dans les bidonvilles, qui vivent dans des caves, dans des, comme vous disiez tout à l'heure, des locaux qui sont impropres à cet effet, etc. Sinon, pour celui à qui on attribue un logement alors qu'il en a un, ce n'est pas normal. Mais sinon, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Monsieur Boudaoud, je reviens à monsieur Zouaïmia. Monsieur Zouaïmia, J'aimerais bien juste une petite précision, monsieur. Je vous en prie, faites. Tout simplement. Moi, je n'ai pas remis en cause les dires de monsieur. J'apprécie sa compétence. Tout simplement, lorsqu'il a jeté 1,5 million comme ça dans l'absolu, j'ai dit qu'il s'agit d'un réservoir. C'est un chiffre des statistiques, c'est un chiffre officiel. D'accord, hein. D'accord. Je ne suis pas contre ça. C'est-à-dire, lui, il est statisticien, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas. Lui, peut-être il a défoncé une porte ouverte, tout simplement. Moi, j'ai dit qu'il s'agit d'un réservoir. Il est le président du Collège national des experts architectes. C'est correct. Moi, j'ai dit qu'il s'agit d'un réservoir spéculatif et j'ai bien dit que ces logements-là appartiennent à des gens. C'est ça ce que j'ai dit. Oui, donc, oui. Il y a des propriétaires. S'il y a des propriétaires, mais est-ce ça que vous, Monsieur Zouaïmia, j'entends bien ce que vous dites. Mais comme je l'ai déjà précisé à Monsieur Boudaoud, ces logements, ils proviennent tous du fonds social. C'est des logements sociaux à l'origine, pour la plupart du moins. Donc ils ont été, moi je ne parle pas du logement qui a été construit par son propriétaire avec son argent et puis qu'il en fait ce qu'il veut, là on n'en parle pas. Mais ces logements sociaux que certains accaparent, que certains captent indûment, de façon indue, la preuve c'est qu'ils ont déjà un logement, la preuve c'est qu'ils n'y habitent pas quand on leur attribue. Et là, la responsabilité revient à celui qui lui a attribué. Il a attribué un logement à quelqu'un qui en a déjà un, ou qui en a déjà plusieurs, et il n'en attribue pas à ceux qui vivent dans des conditions très difficiles, etc. C'est cela que j'aimerais vous voir commenter. Justement, ça provient du fonds social, d'accord, ce qu'on appelle du logement social logement, oui. D'accord. Mais dans les gens qui ont bénéficié, il y a deux catégories. Il y a la catégorie des gens qui font de l'acrobatie informelle pour avoir un logement, d'accord. Il y a la clientèle aussi. Il y a toute cette clientèle de ce pouvoir. Le pouvoir, il dispose aussi de régiments de supporters. C'est pour cela qu'au niveau des communes, et on a 1500, je pense, communes, tout ça, ça fait déjà un nombre important. C'est ça. Moi, ce que je voulais dire, tout simplement, qu'il s'agit de logements qui appartiennent déjà à des gens, même s'ils ont d'autres logements. Ils ont leurs propriétaires. C'est ça ce que je voulais dire. Mais tout monsieur Zouaïmia, vous n'êtes pas un peu étonné que dans la société civile, comme on dit, il n'y ait pas d'associations qui se font entendre pour défendre ces gens qui n'ont pas de logement, pour dénoncer ces gens qui font commerce de logements sociaux, qui se les accaparent? Vous n'êtes pas un peu étonné qu'il y ait un tel silence autour de cette question? Je ne suis pas étonné lorsque je vois le Premier ministre faire des grimaces et recevoir un président de la CAF à peu près, où il lui tend la main d'une manière comme si
s'ils vont, je ne sais pas, garder les chèvres ensemble, ça ne m'étonne pas. L'image du pays, le problème, c'est que nous avons un grand problème en Algérie. Nous avons un grand problème. Nous n'avons pas d'APC, nous n'avons pas de commune, nous n'avons rien du tout. Le pays, actuellement, il vit sur les exportations et le pays peut affronter un problème vraiment calamiteux d'ici 2 années. C'est la vérité. C'est ça. L'institution de l'État a été disloquée, a été vilipendée, a été détruite et nous sommes dans une situation où c'est la corruption, c'est la rente, y compris dans le secteur du logement, et ça donne, c'est, nous sommes face à des problèmes vraiment gravissimes. Je ne peux pas c'est-à-dire de plus, ça, la situation Monsieur Zoumia, est-ce que vous seriez de ces gens qui, comme moi, hein, je ne vous le cache pas, qui au lieu de dire État, disent régime, au lieu de dire pouvoir, disent mafiocratie, au lieu de dire maire, disent nervi du régime qui se sont fait élire par la fraude électorale, est-ce que vous feriez partie de ces gens qui voient tout en noir? Non. Moi, je vois tout en noir, parce que c'est ça. C'est pas moi qui vois tout en noir. Il y a l'analyse économique internationale qui parle de l'Algérie. Il y a les institutions qui ont une définition de ce pays, qui donnent des analyses, qui donnent des données. C'est ça. Moi, je n'ai pas toutes les données, mais à partir d'une lecture que je fais un jugement. Et pour moi, l'Algérie vit des situations catastrophiques. Tout simplement, je ne peux pas, j'y dis État, parce que c'est l'aile que je vois, pour ne pas faire de confusion. Certainement, il s'agit d'un régime et l'État est à part. Ce régime fantoche, c'est ça, mais il représente Zouimia, l'État. Il nous reste environ 2 minutes. Le régime, depuis que Bouteflika est au pouvoir, a dépensé un peu plus de 700 milliards de dollars. 700 milliards de dollars. Oui. Et vous pensez, aujourd'hui, il vient fanfaronner, parader, dire qu'ils construisent environ 300 000 logements par an. Vous pensez qu'avec une telle somme, réalisation de 300 000 logements, il y a de quoi parader, il y a de quoi se vanter? Non, pas du tout. Parce que et quel logement? C'est des clapiers, en fait, à lapins, c'est des cages à poules. Hein, Exactement, parce que tout simplement, le temps de la bidonvillisation et la surpopulation au sein aussi du logement lui-même, c'est-à-dire ce qu'on appelle la bidonvillisation des logements qui ont été construits, c'est, je pense, entre 10 et 15 ans, ça devient un bidonville. Et puis aussi, vous avez la famille, aussi la surpopulation au sein du logement, déjà, c'est ce qu'on appelle le tonneau des Danaïdes, c'est ça. Oui, oui. Mais ils disent ce qu'ils veulent, ça c'est un wali, n'oublie pas, ils puisent d'un archaïsme, ils puisent du coq-à-l'âne aussi, il ne faut pas, nous faisons face à un wali incompétent, un ex-wali incompétent, qu'on lui a donné l'État, il est en train de programmer des crises comme je vous ai dit, et voilà, on va se retrouver au fond du puits dans 2 années, c'est tout ce que j'ai à dire, monsieur Benchenouf. L'arbi Zoumia, merci infiniment, en espérant vous revoir plus souvent dans nos émissions. Abdelhamid Boudaoud, merci beaucoup de nous avoir accompagnés en espérant. De 320 000 logements. Oh. Pardon, excusez-moi. Vous m'avez posé la question de 320 000 logements en. Oh. Oui, tout à fait. Vous voulez répondre? Vous avez environ une minute. Avec un petit calcul arithmétique, on devrait réaliser 26 666 logements mois, donc 6 666 logements semaine. Si on a 100 entreprises, si on avait des entreprises, on doit avant tout, classer les entreprises par taille. Malheureusement, on n'a pas des entreprises qui peuvent réaliser son logement, disons en, je dis bien en, et non pas semaine. Oui. Pour 6666 logements semaine, on devrait avoir 66 entreprises, il faut trouver ces entreprises-là. Malgré qu'on a signé, disons, un contrat avec les Italiens, où il devrait y avoir un partenariat algéro-italien, il y a cette entreprise italienne, elle doit réaliser 2000 logements en, mais 2000 logements en brut, veut dire que, si vous me permettez, je vous donne un chiffre, ça fait 167 logements mois et 42 logements semaine. Ce qui fait, et plus l'usine ne doit pas dépasser, c'est en préfabriqué, l'usine ne doit pas dépasser les 50 km, sinon ça serait l'hécatombe pour le transport. Et aussi, vu route, etc., on arrive à avoir des panneaux réservés et des logements, si on veut dire, Abdelhamid Boudaoud, je suis obligé de vous interrompre, malheureusement. Je suis désolé, monsieur Abdelhamid Boudaoud, je suis obligé de vous interrompre.
Nous arrivons à la fin de cette émission, mais nous espérons vous revoir bientôt pour traiter du même sujet depuis un angle différent. Merci à l'Arabie Zoémia. Salam alaikum, qawala khair, salama.